on est bien accompagné. Pour être bien raccompagné, pour être sûr que tout le monde va être bien raccompagné, on reçoit Louis-Philippe Lemay, coordonnateur Sport Laval et la mascotte de Nez Rouge. Oh yeah! Oh que oui! Donc, bienvenue. Merci. Bienvenue. Donc, lancement de la 34e campagne opération Nez Rouge Laval à Basse-Laurentide. Exact. Écoute, c'est pas rien, là. 34 ans pour Laval puis les Basses-Laurentides, puis 36e campagne au niveau national. Donc, non, on est super contents. Puis on ça va bien, ça continue de bien aller. Écoute, en 2018, ça a été une année record pour le territoire Laval-Basses-Laurentides avec 4096 raccompagnements en 27 jours de campagne. Exact. Puis ça nous a permis de devenir la deuxième opération, la deuxième plus grande opération Nez Rouge en termes de raccompagnement au Canada, dans le fond. Wow! Ouais, OK. Puis ça, évidemment, ça dépend pas juste des gens qui appellent pour se faire accompagner. Ça dépend aussi du nombre de raccompagnateurs qu'on peut ça trouver. Ça dépend principalement du nombre de bénévoles qui se présentent en centrale pour faire des raccompagnements. OK. Mais on s'entend qu'être bénévole, c'est presque une tradition pour certains. C'est leur BA de la nouvelle année. C'est le truc qu'on fait en gang un samedi soir où on n'a pas rien de booké, ou un mercredi où on n'a rien de booké. On se dit, hey, on va faire ça. Ouais. Exact, ça fait partie pour plusieurs de la tradition du temps des fêtes. Si on pense à Noël s'en vient, le jour de l'an, bien, pour les gens, l'opération Nez Rouge aussi, puis aller donner une soirée de temps en raccompagnement, ça fait partie de la tradition du temps des fêtes. Oui. Et puis, les gens qui raccompagnent, ouais. Là, il faut les allécher un petit peu. Il y en a qui sont à l'écoute, là, puis on veut les allécher, on veut qu'ils viennent parce qu'on veut raccompagner du monde, parce que quand on raccompagne du monde, un, ça fait des accidents de moins sur les routes. Exact. Ça fait des gens qui ont des sourires aux lèvres parce qu'ils n'ont pas reçu de mauvaises nouvelles et ils n'ont pas de casier judiciaire. Exact. Et ça fait aussi qu'il y a des jeunes sportifs de Laval qui vont pouvoir continuer de faire du sport et puis de plus belle. Exact, parce que l'ensemble des dons, 100% des dons qu'on amasse, parce que l'opération Nez Rouge, on appelle, on prend un raccompagnement, j'ai pris un verre de trop, c'est gratuit, je donne un don, puis cet argent-là, bien, elle s'en va aux jeunes sportifs de la région. Donc, on a un programme de bourse, puis tu vois, l'année dernière, c'est 55 000 $ qu'on a remis en bourse à des athlètes de la région pour développer le sport amateur. Puis juste dans les 15 dernières années, oui, on félicite, oui, vraiment, parce que dans les 15 dernières années, c'est au-delà de 250 000 $ qui ont été versés. Exact. Et ça, bien, plus de 250 000 $. Plus de 250 000 $, oui. Exact, pour la région, exact. Wow! Et puis, ça va être souligné dans le 12e Gala Sport de Laval. Exact, au mois de mai, le 29 mai prochain, le 29 mai 2020. Yeah! Et puis, les donateurs aussi. Oui. Il y a oui. beaucoup de donateurs qui donnent à chaque année. On invite les gens, si vous n'êtes peut-être pas à être bénévole, de venir... De faire un don, peut-être, ça serait une façon d'aider. Oui, exact. On peut appeler, peut faire un don pour encourager. Mais tu parlais, tu sais, pour les bénévoles, les alléchés pour qu'ils viennent faire oui. l'opération Nez Rouge. Oui. Puis tu parles de donateurs, fait que je fais le lien. Cette année, on a travaillé extrêmement fort pour aller, pour mobiliser la communauté, pour mobiliser les gens à venir donner du temps. Puis là, on est super content d'annoncer que tous les bénévoles qui vont se présenter en centrale, on va leur offrir une boîte à lunch repas Taverne 1909. Oh. Où tu te présentes, t'as pas eu le temps de venir manger, tu veux venir faire opération Nez Rouge, ben nous, on a une boîte à lunch Taverne 1909 pour toi. On va donner après chaque soirée de raccompagnement un calendrier de l'Avent Lint à tous les bénévoles. Oh. Avec qu'on a la danse sucrée. Oui, exact. Avec H. Grégoire, notre présentateur officiel à Laval, Basse-Laurentide, on fait tirer parmi tous les gens qui vont avoir participé à l'opération Nez Rouge Laval, Basse-Laurentide, un voyage pour deux à Miami. Wow. Au mois de janvier. On a un souper reconnaissance des bénévoles. Tu participes une soirée, tu peux venir sur la cabane à sucre, la Lande, un souper quatre services avec de l'animation, c'est super. Puis on a plein de c'est donné pour mieux recevoir, finalement. Des centaines de billets du Rocket, des centaines de billets de l'Armada qu'on redistribue aux bénévoles pour leur dire merci de venir wow. donner leur temps. Sans oublier un café Tim Hortons pour partir la soirée. Oui, exact. Ça, aussi ça, sur la route. Bien, ouais, les bénévoles ouais. peuvent arrêter sur la route avec un coupon qu'on leur redonne puis chercher un café pendant la soirée de raccompagnement. C'est quoi qu'on a besoin pour être accompagnateur chez Nez Rouge? Qu'est-ce qu'on recherche? Bien, on recherche, c'est des équipes de trois. Fait que on a ce qu'on appelle une escorte motorisée. La personne qui va conduire son propre véhicule va embarquer deux bénévoles avec lui dans sa voiture. On se rend chez le client. Donc là, il y a le chauffeur. Le chauffeur, c'est la personne qui va conduire le véhicule du client. Donc ça prend 21 ans et plus. Ouais. Puis évidemment, un permis de conduire valide. Puis il y a une personne qu'on va appeler le partenaire qui va être dans la voiture avec le chauffeur pour s'assurer que tout se passe de façon sécuritaire.
sécuritaire. Puis ça, ça prend 18 ans et plus, puis pas besoin, évidemment, d'avoir un permis de conduire valide comme la personne ne conduira pas. Okay. Donc, on sera sur opérationnesrouges.com, section bénévole, il y a un formulaire à remplir, on le complète, on l'envoie, parce que nous, c'est sûr, évidemment, on va vérifier les antécédents judiciaires de l'ensemble des bénévoles pour s'assurer que tout ça se passe de façon sécuritaire. Puis, mais c'est pas plus compliqué que ça. Puis si jamais on arrive un mercredi soir, un jeudi soir, on dit, hey, j'ai le goût de faire les rouges, mais je ne suis pas inscrit, bien, les bénévoles peuvent venir, même si on n'a pas rempli le formulaire d'inscription, ils peuvent venir sur place au Cosmodrome. On en a exactement, puis on va le traiter sur place aussi. OK. Puis donc, le lieu de rendez-vous pour Laval et les Basses-Laurentides, la station, ça se passe au Cosmodrome? Exactement, au Cosmodrome, 21. Le centre opérationnel. Oui, la centrale des bénévoles. Donc, il faut se rendre là, évidemment, pour recevoir une petite formation, les cadeaux qu'on donne, les façons de faire pour leur accompagnement, puis redistribuer les dons par la suite. Puis c'est quoi que les gens qui ont terminé leur première soirée en tant que bénévole, accompagnateur, c'est quoi le premier commentaire généralement qui vient aux lèvres? Je suis fatigué, je vais aller me coucher. Le deuxième? Ouais, c'est ça. Mais non, ben, les gens veulent revenir. Je pense que l'essayer, c'est de l'adopter. Là, dans, puis, c'est du fun à se faire. Ben, c'est sur les anecdotes. Puis il y a tellement de la complicité qui se fait entre les bénévoles qui raccompagnent. Toujours des histoires croustillantes puis savoureuses. Là. Ouais. Croustillantes et savoureuses, ça, c'est deux mots qu'on aime bien. Parce qu'après ça, nous, quand on va dans notre party après, on sait qu'on peut se faire accompagner et on a des belles histoires de raccompagnage. Oui, aussi, exact. Ça finit bien. Ouais. Oui, ça finit bien. Et puis là, on a notre ami ici. C'est, c'est la mascotte depuis le début, me semble. Oui, depuis le début, depuis 1984. Puis... 1984, ça te rajeunit pas, ça, hein? Oh, oh, on est encore en shape, encore en shape. Donc, pour les gens de Laval, Basse-Laurentide, c'est quoi le numéro à composer si on a besoin de se faire raccompagner? Puis c'est à partir de quelle date? Super important. À partir du 29 novembre, donc 29-30 novembre, puis on recommence du 5 sans arrêt jusqu'au 31 décembre. Puis pour la région, c'est le 514-MONT-41, donc 514-666-4011. Avec le petit jeu de mots aussi. Mon 40 ans, je l'aime beaucoup. Donc, de 19h jusqu'à 3h du matin. Oui, exact. Les lignes téléphoniques officiellement ferment à 3h du matin, mais c'est sûr qu'on invite les gens à être prévoyants puis appeler avant la fermeture de... Si vous êtes pompette à 2h55 du last call, il y a des chances qu'à 3h vous soyez pompette. Donc, OK. Ouais, il ne faut pas se tromper de numéro. Ouais, un pocket call, on appelle son ex tout le temps. C'est tout le temps des belles anecdotes. Aussi. Ouais, ben, écoute, Louis-Philippe Lemay, coordonnateur Sport Laval, ainsi que la mascotte de Nez Rouge. Merci d'être là, mascotte. Hey, elle a failli pas venir en plus, hein? Ben, t'es occupé. C'est sûr, la campagne commence ce vendredi. Ouais, t'es en train de faire sa job de mascotte. Exact. Et voilà. Ben, écoute, un gros merci, mascotte. Un gros merci, Louis-Philippe. Et puis, pour une 36e année de suite, 34e campagne dans la région, opération Nez Rouge Laval Basse-Laurentide. Puis ça marche aussi pour les gens qui ont fumé, hein? C'est aussi pour ça les marche, yeux vitreux. Pour toute situation de faculté, de conduite avec les facultés affaiblies, vous êtes trop fatigué, c'est bon aussi. C'est bon aussi. Moi, j'ai même eu une histoire une fois, une dame était à l'hôpital, puis je sais pas quel traitement elle avait eu, puis là, elle était pas en état de conduire, elle a appelé Nez Rouge. Voilà. L'accompagner. Et voilà. Ben écoutez, vous avez le nez rouge ou les yeux rouges. C'est ça. Nez rouge. Salut, je suis très heureux d'être le porte-parole de l'opération Nez Rouge. Pour ceux qui l'ignorent, la totalité de vos dons sont remis à des organismes locaux dédiés à la jeunesse et aux sports amateurs. Fait que toi, pendant que t'es un fin renard sur la route, t'aides Mégane à peaufiner ses talents de gardienne de but. Parce que là, Mégane est pas encore solide au hockey. Si vous êtes pas en état de conduire, appelez un ami, un taxi ou, si vous voulez vraiment aider Mégane, appelez Nez Rouge, l'appel qui fait du chemin. Puis à cette heure, Mégane, on va pratiquer les mises en échec.